Nous sommes dans un monde rempli d'hypocrisie. Nous sommes dans un monde rempli d'ingratitude. Nous sommes dans un monde où les gens pensent que ils ont droit à tout et que les autres n'ont droit à rien. Les gens sont remplis d'esprit de domination. Alors qui dit domination parle de je suis prête à écraser même mon propre enfant pour avancer. Et ça, ça s'appelle de la cruauté. Ça, c'est être cruel. C'est être une personne qui ne sait pas regarder en arrière, qui ne se souvient pas de ce qu'on lui a donné hier, mais qui ne pense qu'à elle. Son ingratitude et sa cruauté. Hey, Seigneur, je vais me blesser ce soir, mon Dieu. Prends le contrôle de ma bouche. Prends le contrôle de ma bouche ce soir, pardon. Hey, je commence comme ça, là, ça va, je vais y arriver. Mais est-ce que je vais y arriver? De grâce, mettez les cœurs des gemmes. Pour qu'on lance, pour qu'on fasse notre direct comme il se doit. Ce soir à l'émission Parole aux Anonymes, on va transformer notre émission pour pouvoir parler aux gens dans nos familles, pour pouvoir parler aux personnes que nous on considère, pour pouvoir parler aux mamans qui détruisent leur propre famille à cause de leur caractère. Il y en a tellement, la liste est longue. Merci ma grande sœur d'amour. Merci ma grande sœur d'amour, je t'aime et je t'aimerai toujours, ça tu le sais. Tu sais que je suis souvent capricieuse, je ne peux qu'être capricieuse avec toi. Vous êtes deux comme ça, obligés, mes caprices, vous allez supporter ça jusqu'à l'ascara, jusqu'à la fin de vos jours. Tant que je vis. Je disais tantôt que, on va transformer notre émission ce soir pour parler d'un phénomène qui se passe devant nous. Pour parler des choses que nous vivons chaque jour. What is it? Pompez les cœurs, pardon. Voilà, vous avez vu. Pompez les cœurs. Pompez les cœurs, s'il vous plaît. Je vous ai dit, si vous restez comme ça, là, ça le live, là, on va couper ça, on va signaler, ça c'est sûr et certain. Ça c'est sûr et certain que ce live-là doit être signalé. Oui. Mais sauf que je dois sauf que parler. Je dois sauf que dire ce que je pense. Oh, la seule maîtresse, la maîtresse de la gloire glorieuse, celle qui me remet les pendules à l'heure dans le respect de l'art, celle qui ne parle pas beaucoup, mais quelqu'un donne le coup, ça te pique comme ça, toi-même tu as mal. Oh oui, toi-même tu as mal. S'il vous plaît, laissez mon Dieu, je n'ai même pas encore commencé, je n'ai même pas encore dit un mot. Vous voulez faire quoi? Je n'ai même pas encore dit un mot. Hey. Laissez la page de la Black Beauty tranquille. Laissez mon direct. J'ai fait quoi? Merci, oh. Merci de mettre les cœurs, oh. Partageons. Mettez les cœurs, partageons. Ha! Donc, je disais tantôt que les gens qui nous entourent ne sont pas forcément nos amis. Les gens à qui on donne à manger sont nos ennemis de demain. Les gens à qui on tend la main sont les mêmes personnes qui nous tuent chaque jour. Et on les regarde faire. On les observe faire. On voit comment ils finissent avec nous. Parce qu'ils sont jaloux. Parce qu'ils n'aiment pas le progrès des autres. Parce qu'ils se voient toujours seuls. Aujourd'hui, on dénonce. On dénonce parce qu'à un moment donné, quand ça ne va pas, il faut parler. Parce qu'à un moment donné, quand on se dit être la maman d'une team, quand on se dit qu'on assume une page, ça veut dire qu'il faut apprendre à l'ouvrir et à dire ce qu'il y a à dire. Oh, ça ne chauffe pas. Je vous ai juste dit de laisser mon direct. Je vous ai juste dit de ne pas signaler mon direct. C'est tout ce que je vous demande. Donc mes beauty de valeur, de grâce et les sympathisants, tous les autres teams qui sont dans ce direct, merci de mettre des cœurs. Ça va faire plus d'un an que je suis sur la toile. Je m'interdis de clasher. Mais je me dois de dire la vérité. Et je le devrais. Je vais m'en sortir dans ce direct aujourd'hui. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Je vais m'en sortir ce soir. Vous ne voyez pas comment ça se coupe? Vous ne voyez pas qu'à un moment donné, ça ne va plus? Mettez, pompez les cœurs, s'il vous plaît. Elvis, ce sont les cœurs. Tu vois là où il y a les petits pouces bleus, là. C'est ça qu'il faut mettre. Les j'aime et les cœurs. Les j'aime et les cœurs, s'il vous plaît.
Je parle des femmes cruelles. J'ai vu sur une page, merci Manuela, s'il te plaît, bip-moi, tague-moi les piments rouges et tout ça là, et qu'on sort. Taguez tout le monde. Je suis partie. Merci de mettre les cœurs. On va commencer par l'image. J'ai vu l'image d'une dame, d'un monsieur que sa femme a surpris dans un lit avec une autre femme et elle a décidé de brûler, de verser de l'eau chaude sur ses parties intimes. Vous savez, mesdames, les beauty, les sympathisants, vous tous qui êtes dans ce direct, nous sommes des femmes. Nous aimons nos hommes. Nous sommes, pardon, certaines sont mariées et elles aiment leur mari. Elles sont prêtes à tout pour sauvegarder leur mari, leur mariage. Mais alors, la colère de verser de l'eau chaude sur ton mari, parce que tu l'as attrapé dans le lit avec une autre femme. Alors là, ça veut dire que ton degré de faire du mal a atteint un certain niveau. L'homme avec qui tu es, le père de tes enfants, celui qui te donne satisfaction au lit, c'est l'enfant de quelqu'un. Fais ça à l'enfant de quelqu'un. C'est être capable d'aller plus loin. Cette image, je dis bien cette image, m'a interpellée. Oui, j'ai ressenti le désir d'en parler. J'ai ressenti le désir de dire ce que je pense. Parce qu'en réalité, le monde dans lequel nous évoluons aujourd'hui, il y en a tellement des hommes, il y en a tellement de femmes, alors que tu n'as pas besoin d'en arriver là. Même au sein de nos familles, il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à nous faire du mal. Juste parce qu'ils aiment ce qu'on appelle le succès. Ils veulent avoir tout pour eux. Ils veulent que ce soit eux qui puissent être toujours vus dans la famille. Mettez les cœurs, mes beauty, s'il vous plaît. Et n'hésitez pas à commenter. Mettez les cœurs et partagez le direct. Cette image m'a choquée. Pardon, je vais peser mes mots, mais je ne sais pas. J'entends les femmes, je lis les commentaires, il y a des femmes qui sont là qui disent que wow, ça c'est rien ce qu'on t'a fait. Mesdames, vous avez des enfants, vous avez des garçons, vous faites ça à l'enfant de quelqu'un. Un homme avant d'être devenu t'épouser, il appartient d'abord à sa mère. Quand tu as le courage de verser de l'eau chaude sur les parties intimes de ton homme pendant qu'il dort, ça veut dire que tu peux faire pire et que demain, qui s'attend à ce que tu fasses pire? Aujourd'hui, quand on se regarde dans la glace, on se dit, on est belle, on veut le mariage, on veut avancer. On veut construire. Je suis célibataire. J'ai un travail. J'ai une belle maison. J'ai tout. Mais si un homme voit cette image venant d'une femme, vous ne pensez pas que ça le freine? Vous ne pensez pas qu'à un moment donné, il se dit que mais j'ai peur de m'engager même dans une relation avec une femme? Tout, et c'est toi encore qui auras besoin d'utiliser ça demain pour ton plaisir personnel. Femme, qui es-tu? Femme, qui es-tu? Bonsoir, Yvette. Qui es-tu, femme? Parfois, on t'explique, on va te dire que si on t'explique la femme, tu comprends la femme, c'est que tu n'as rien compris. C'est qu'on ne t'a pas bien expliqué qui est la femme. Je me demande souvent, comment est-ce qu'on peut donner la vie et avoir le cœur de poser de tels actes? Avoir le cœur d'agir de la sorte envers un homme qu'on a dit aimer ou qu'on aime. Quand on aime quelqu'un, on ne fait pas du mal à la personne. Je ne veux pas dire que les hommes sont des saints, non. Parce que généralement, on est toujours en train de défendre la femme. Mais sauf que, sachez qu'il y a des femmes qui ont le... Sachez que le cœur, là, c'est la pierre. Même la pierre n'a pas de place.
Même la pierre n'a pas de place. Toute femme a été trompée dans sa vie. Il n'y a aucune femme qu'un homme n'a jamais trompée. Ça, je dis non. Il n'y a aucune femme sur la terre qui n'a pas connu de déception. Même d'une manière ou d'une autre. Parfois, tu es déçu de ton compagnon. Parfois, tu es déçu de ta compagne. Même par rapport, si tu ne peux pas. Si tu vois qu'en te retirant, tu vas beaucoup souffrir, tu seras mal, tu seras ceci. Soit tu pardonnes et tu prends sur toi. Parce qu'on a toujours le choix. Oui. Ce n'est pas que c'est mon mari, je n'ai pas ce que j'ai, il va jouer. Non, 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 non. Être madame ne t'autorise pas à faire ce que tu veux. Être madame, moi je suis cet homme. Ne dis que jamais, je guéris, je te quitte à la seconde. Moi je guéris, je te quitte à la seconde. Parce que où je suis, c'est un signe. Ça veut dire que la prochaine fois, ma mère va m'enterrer ou mon père va m'enterrer. Donc, ma famille doit me perdre. Je te quitte à la seconde. Alors vous, mesdames, qui avez le cœur dur, le cœur amer, le cœur qui ne connaît pas la compassion, le cœur qui ne connaît pas pardonner, quand vous êtes comme ça, mieux vous ne vous mariez pas. Mieux vous restez célibataire. Déesse, la déesse sur Yéma. C'est la vérité, non? Mieux, non? Mieux vous restez seul. Parce qu'une femme, quand tu nais, il y a une autre manière d'agir, mais pas de la sorte. Partagez le direct et mettez les cœurs. Partagez le direct et mettez les cœurs. Ça, c'était par rapport à l'image que j'ai vue. Maintenant, on va toucher le sujet de la toile. On va toucher le live que j'ai vu, une partie dont j'ai écouté. Quand je suis restée comme ça, j'ai dit, my goodness. Comment est-ce que les gens arrivent à se métamorphoser? Comment est-ce que les gens arrivent à se transformer? Comment est-ce que des gens arrivent à ne pas être à la hauteur de ce qu'ils sont ou de ce qu'ils devaient être? Comment est-ce qu'on arrive facilement à sauter du coq à l'âne? Les thèmes, les mots en disent long. Oui. Déjà, je vais vous dire que la vérité, quand il y a la vérité. Oh oui. Permettez-moi une seconde. Parce que je dois répondre. Je dois faire écouter. Je dois parler. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Nous, on n'est pas... Francine, bonsoir. Oh, oh là là. Oh là là. Bref. J'ai vu un direct qui m'a... Qui m'a refroidi. Je suis en train d'écouter. Je vais m'expliquer. J'ai vu un direct
où on a notre sœur Nicole qui a lancé son live. Partagez le direct, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Je vous ai dit, ne signalez pas mon live, ne signalez pas mon direct. Qui a fait un live? Où elle est en train d'avertir Monsieur Messon, le père Messon. Où elle est en train de l'avertir? Ce qui m'a choqué dans ce direct, je vous dis que en tant que faisant partie de la team de la vérité, il est important de se dire des vérités. Je ne sais pas, j'essaie de retrouver le live là, mais c'est bizarre, je n'arrive pas. J'essaie de le retrouver, mais je ne sais pas. Parce qu'elle supprime, je ne sais pas si c'est au début. Ça me dérange un peu, ça me dérange un peu. J'aurais voulu que vous écoutiez pour qu'on puisse parler ensemble. Brisé. Moi, quand je parle des femmes, de la cruauté, quand on dit que des gens sont cruels, il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage de regarder quelqu'un en face. De dire à une personne, je t'aime. De dire à une personne que je t'apprécie. Et de demain, venir se mettre là, lyncher la personne comme si de rien n'était. On va se dire des vérités. À l'époque, à cette époque-là, je dis bien à cette époque-là, Pamisson était avec sa sœur, était avec eux. Donc, il a valorisé ces personnes. Il les a valorisés. Il était avec eux et il défendait sa sœur comme il le fallait, quand il le fallait. Tout comme sa sœur le défendait, comme il le fallait, quand il le fallait. Oh, mon Dieu, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas partagé ça. Je ne sais pas. Aujourd'hui, on assiste, elle a tissé des liens. Pima Rouge, comment vas-tu? Ouais, Pima Rouge, comment vas-tu? Elle a tissé des liens. Alors, comme on dit sur la toile, le game c'est le game. À la guerre, parfois comme à la guerre. Non, ce n'est pas forcément, c'est la petite a dit, c'est le cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme qui, quand je regarde à quel point les êtres humains sont cruels, c'est un exemple pour permettre aux gens de comprendre à quel point on peut passer du coq à l'âne, on peut être gentil avec toi et on finit avec toi. Oh, je ne prends pas des gens ici, il faut arrêter. Tu participes quoi? En plus, tu es dans un pays loin là-bas, je ne sais pas de quel pays, dans quel pays tu te trouves, qui tu es. Tu te permets aujourd'hui de faire un direct où tu es en train de donner des vectos à Pamisson. Pamisson que tu vénérais, que tu étais en train de vénérer hier. Bonsoir Zazie, jour d'amour. Pamisson que tu disais que mon papounet. Moi, je dénonce l'esprit qui peut être dans le cœur de certaines personnes. J'ai souvent envie de comprendre comment est-ce qu'on peut en arriver là. Piment Rouge, tous les jours, je parle d'Olivier Tété, non? Olivier Tété, lui, quand tu parles, dès que tu bondis un peu, hé, hey, Olivier Tété, c'est l'amour de... C'est mon mari, c'est mon beauty, c'est mon amour, tu l'as. Et qui? Olivier Tété, l'homme qui m'assume devant 10 milliards de personnes, il ne se gêne pas. Donc, ce qui fait que tu es en train de venir toucher à son... Il est en train de bagarrer avec toi. Oui, s'il te plaît. Donc, à quel moment
Mais on va dire aussi que Parmesan a sa part de responsabilité parce que, d'une part, il a vu le comportement de cette fille sur la toile. Il a vu le comportement de cette fille sur la toile vis-à-vis de Tata Lolo. Moi, je donne mon impression, mon analyse, et je dis ce que je pense. Mais, en ce moment, ils étaient ensemble. Il n'a pas capté. Aujourd'hui, celle qu'il avait dit que tu es, celle qu'il avait dit, je ne sais pas si à un moment donné dans la vie, je cherche la partie où elle s'adresse au père, là, à part mes sens, je ne vois pas. Je dis, cette fille, si elle n'est pas dotée d'un esprit, c'est qu'elle a un problème. Est-ce qu'on peut être autant, est-ce qu'on peut développer? Tu ne parviens pas à monter. Est-ce qu'on peut se lever le matin? Ouais. Tirant vers dit qu'elle n'arrive pas à monter. Tu peux te lever un matin. Tu t'assois sur un papa qui a un moment, à l'époque, un monsieur qui est assis, qui à l'époque, il t'a envoyé la demande, tu as refusé, bon, c'est pas grave, t'as valorisé. Ma question est de savoir pourquoi quand cette histoire, et on avait dit ça, on avait prévenu ici sur la toile, que le moment va venir, elle va choisir et elle va faire ce qu'il y aura lieu de faire. Et on est en train de voir ça. Plus forte raison. Les personnes qui sont avec toi, tu penses que tu ne vas pas les clasher? Tu penses que tu ne vas pas les clasher demain? Tu penses que ceux-là sont à l'abri? Le temps va nous dire sur la toile. Et je suis sûre que... À un moment donné, tu as obtenu le soutien. Mais oui, de toutes les façons, tu as obtenu son soutien. Puisqu'à un moment donné, il t'a valorisé. Je me rappelle encore quand la chanson est sortie. Quitté, pardonné, quitté sur la route. Mon cœur est banana. Ces garçons qui arrivent. Tu te souviens quand tu as dansé avec la photo de Pamé sans derrière? Hey, ma chérie, comment on fait pour être cruel comme ça? Comment on fait pour avoir cet état d'esprit à faire du mal? Comment tu fais pour en arriver là? Comment tu fais ça et puis tu dors, maman? Comment tu arrives à dormir? Nous là, on s'en fout. Hein? Tu peux insulter comme tu veux. Tu peux dire ce que tu veux. Mais j'aurais mis ma main au feu que jamais tu ne pouvais allumer ta caméra et citer même le père méchant. Je vais vous poser une question. Moi, je suis dans la team de la vérité. Et dans la team de la vérité, parce que moi, je cherche la vérité à comprendre certaines choses sur la toile. Mais en réalité, je suis électron libre. Donc, je dis ce que je pense et j'assume ce que je dis. Est-ce qu'à un moment donné, Tatana... Je parle de Tatana. Est-ce que Tatana a eu, à un moment donné, à montrer vraiment les images? Mais je veux dire les images au point où? À montrer, vraiment montrer que le Jacques s'est attardé sur une image comme ça. Par exemple, elle prend l'image, une image banale dans ma galerie. Je vais peut-être prendre cette image-là. Est-ce qu'elle a eu à montrer une image comme ça, banale,
ou montrer, approcher devant la caméra la vidéo, par exemple, de Oshida. Je ne sais pas, parce qu'on m'a dit que Tatana a aussi montré la vidéo de Oshida sur la toile. Que pourquoi est-ce que ça nous fait mal? Comme Compressor a montré la vidéo, les photos de si Tatana l'a déjà fait. Je vais dire que non, Tatana, ça ne se fait pas. Parce que quand on est dans la vérité, ce que moi je n'accepte pas, ce que moi je refuse, ce que je dis que je suis contre la nudité, la publication de la nudité de la femme, l'intimité de la femme, contre les insultes des parents, contre l'affichage des familles. Alors donc, si les gens qui me disent que voilà ce qu'elle a déjà fait, alors qu'elle ne l'a jamais, et que c'est pour ça que je vous pose la question, parce que je ne le sais pas. Mais si c'est arrivé, c'est que ça ne se fait pas. Je me souviens un jour, Tatana a fait un live. Elle a dit, je vais montrer. Moi, nous avons besoin de Tatana, que Tatana ne montre pas. Ça va, on va bloquer ta page. Je me souviens un jour avoir dit ça à Tatana. Je me souviens. Aujourd'hui, on constate que sur la toile, il y a des personnes qui veulent se faire passer pour des saints quand ça les arrange. Il y a des personnes qui ont envie qu'on leur donne les titres de « je suis sainte »,« je ne sais pas faire du mal ». Mais leurs actions ne suivent pas. Leurs paroles ne suivent pas. J'ai mangé hier. Respectez les personnes avec qui vous avez ri hier. Il y a les paroles. Même quand on fait des lives, prenons un peu le temps de réfléchir avant de sortir certains mots de nos bouches. Avant de faire, de poser une, de, c'est-à-dire de faire quelque chose, prenons la peine de se dire, waouh, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est normal? Je condamne l'acte que Compressor a fait hier, même si c'était dans le sens de dire qu'elle donne, elle donne les conseils à Nicole. Je condamne ça, je dis même à Nicole, à Priscaline, je condamne ça aujourd'hui, demain et après-demain. Quelqu'un t'insulte, tu allumes ta caméra, tu l'insultes. Quelqu'un décide que je vais te détruire, je publie tes photos, je montre tes photos, si toi-même tu peux. Dans mon post que j'ai fait hier, on m'est venu me dire que, wow, elle a montré les photos, elle a fait ceci, elle a fait cela, parce que Priscaline l'insulte tout le temps, parce que. On a des bouches. On a des bouches. Nos bouches nous servent à ça. Je donne mon ressenti. Et que ce soit là, il y avait, comment elle s'appelle? C'était la poche quand même qui était en train de clasher Tata Lolo. J'étais en commentaire. J'ai dit en commentaire que, ouais, veuve la veuve et Flore, faites la paix avec Tata Lolo. C'est là où Flore m'a ramassé. J'ai coupé la partie à moi, mais j'ai mis sur ma page. C'est là où elle a dit que, hey, toi là, arrête. Wow. Ce jour-là, les abeilles m'ont bien lavé dans le direct. Je lui ai jamais écrit que « S'il vous plaît, faites la paix. » À cause de cette phrase-là, elle m'avait bien ramassée. Mais personne n'avait vu la phrase que j'avais écrite. C'est pas grave, je passe. C'est comme ça que ça m'avait touchée. C'est la vérité, non? Ça m'avait touchée. Je suis moi. Après ça, elle a dit que « Viens, non, viens. » Non, non, je ne suis pas partie. Mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai appris à connaître cette dame. Que je me suis intéressée à elle. Que j'ai commencé à m'intéresser à elle. Elle a dit que, hey, mais elle peut avoir la main sur le cœur. Hein. C'est comme ça, c'est comme ça. D'autres m'ont dit que, mais pourquoi tu ne t'intéresses pas aussi à connaître Compressor? Pourquoi tu ne veux pas, tu ne t'intéresses pas à elle? Je retais et je redis, je n'ai pas de problème avec elle. Mais c'est la manière de faire les choses qui ne me plaît pas. C'est ce qui s'est passé, ça, c'est pas gentil. Tu es ma grande sœur.
Déesse, la déesse, pardon, laisse-moi. Tu es ma grande sœur, mais moi je vais te dire que c'est pas gentil, ma sœur. Mieux tu donnais tes conseils à Nicole, j'ai dit à Priscaline. Oh Seigneur, à Priscaline sans pour autant montrer les images. Mais à partir du moment où tu prends ton téléphone, tu fouilles les images, tu enregistres les images, tu le montres comme ça à la caméra, ça veut dire que c'était volontaire, tu l'as fait volontairement et que quelque part tu voulais justement salir l'image de cette fille. Oui, on peut Tatiana, je sais, j'ai vu. Donc c'est la même chose. C'est la même chose. Bien sûr, on soutenait. C'était à la guerre comme à la guerre à l'époque. On ne va pas se mentir, j'ai soutenu à l'époque. Mais quand aujourd'hui on se dit qu'on est dans un processus et que vous venez et que tu agisses comme ça, tes adeptes vont dire que quels qui sont abonnés à Compressor et qui aiment Compressor. Mais sauf que la réalité, c'est que les actes qu'elle pose là, moi je me dis, mais comment est-ce qu'on peut dire que aujourd'hui, on va dire l'histoire qui se passe avec ton frère. Plusieurs fois, ton frère a essayé d'éviter, même, il ne voulait même pas te clasher. Il n'a même pas voulu répondre. Mais il a fait sa sortie l'autre jour. Aujourd'hui, tu es venu t'asseoir sur lui. Tu lui as dit ce que tu avais à dire. Tu lui as dit ce que tu avais à dire. C'est de ton droit. Un droit de réponse, c'est normal. Tu ne peux pas me dire que je tourne autour du pot. Tu ne me dis pas que je tourne autour du pot parce qu'on ne dirige pas ma pensée. Je dis ce que j'ai envie de dire. On ne peut pas manger avec quelqu'un. On ne peut pas boire avec des gens. On ne peut pas être à l'aise avec des gens qui ont été hier avec nous et puis on devient cruel. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas parce que personne ne peut accepter ça. Je ne tiens pas. Je suis la maman des beauty de valeur. Il y a des choses que je ne peux pas accepter, même si c'est pour faire plaisir à ma mère. Je ne peux pas accepter. J'ai ma grande soeur qui est dans le direct. Que quand ça ne va pas, elle et moi là, elle va seulement bouder, mais elle va sauf que finir par céder. Moi, je trouve que quand on est avec des gens qu'on a aimés, on ne fait pas semblant. On est vrai ou on n'est pas. Mais je pense que, je dis bien dans ma tête, quand j'analyse les situations, quand j'analyse les choses, la manière et tout ça, je me pose la question à savoir, pourquoi est-ce que certaines personnes se rapprochent de certaines personnes? C'est quoi le but? C'est quoi le but? Ne, c'est-à-dire, n'en voulez pas. N'en voulez pas les personnes qui se protègent. N'en voulez plus les gens qui refusent d'ouvrir leurs portes. Parce que la méchanceté a atteint son paroxysme sur la toile. Vous voulez me dire quoi? Et que je me lève aujourd'hui, je vois que Compressor était lié avec son frère matin, midi, soir. Elle se lève, elle commence à insulter la femme de son frère, à dire tout ce qu'il y a à dire. Et moi, je dois adhérer à ça parce que j'ai des personnes autour de moi qui sont followers de Compressor et qui apprécient Compressor. Mais j'ai un cerveau. Même si parfois je préférais faire l'école sous le manguier. Oui, parce qu'il y avait des moments où je ne partais pas en classe.
J'arrivais comme ça au lycée, je dis qu'aujourd'hui là, je reste que sous le manguier et je reste là-bas toute la journée, je mange, je bois et discute, après c'est rentre. Et vous pensez que moi, je vais adhérer à ce genre de comportement? Ça ne rime pas avec mes valeurs. Ça ne rime pas avec ma personnalité. Je ne me reconnais pas. Parce que même quand tu veux suivre une personne sur la toile, il faut d'abord regarder ton propre comportement. Il faut d'abord te regarder. Est-ce que moi, quand je me vois, je m'identifie à cette personne? Est-ce que moi, je m'identifie à ce que Compresso fait? Est-ce que moi, je suis capable aujourd'hui de prendre la photo de quelqu'un en sous-vêtement et montrer comme ça devant vous, même si vous n'êtes que deux personnes? Est-ce que je suis capable de le faire? Je ne peux pas. Lève là. Et qui viennent repliquer. Quand les gens commencent à rendre la pièce de la monnaie, ça devient que, oh, les pleurs, oh, les pleurs. Avant la sortie de ton grand frère l'autre jour, tu avais déjà rincé, lavé, parlé de sa femme, les dessous, les entrées. Ma sœur, tu es une femme. Nous sommes des femmes. Par-dessus tout, nous restons des mères. Parce que même une femme qui n'a pas accouché est une maman. Nous sommes des femmes. À un moment donné, être la maman des enfants, ça veut dire beaucoup de choses. Être la maman des enfants, c'est être capable d'avoir le cœur sous la main. C'est avoir l'esprit de tolérance. C'est avoir l'esprit d'empathie. Merci pour les étoiles. Merci. C'est avoir l'esprit de je prends sur moi. Mais je suis choquée de la sortie de Nicole. Après tout, en tant que membre de la team de la vérité, je peux aussi dire que c'est aussi bien fait pour le père naissant. Parce qu'il avait aussi valorisé cette fille. Il avait vu en elle une étoile montante, mais sans savoir que c'était le charbon que j'ai pour toi, mon papounet. Tu avais à l'époque encouragé ce qu'il ne fallait pas encourager. Parce que quelque part, cette fille avait déjà montré son caractère. Et une chose est sûre et certaine, c'est que toutes les personnes qui sont là du jour au lendemain va finir par les exposer. À la lue que les choses sont, où vont les choses? À la lue où vont les choses, elle finira par vous répondre, par vous prendre one by one. Qui aurait cru? Qui aurait cru même un seul jour que sur la toile on devait assister au spectacle entre grands frères et petites sœurs? Personne. Mais nous y sommes. Nous sommes en train de vivre des choses. Est-ce que c'est pas être cruel? Coucou ma tata Nadège d'amour, bonsoir. Est-ce que ce n'est pas être cruel? Je ne peux pas adhérer à des idées qui ne correspondent pas. Je n'ai rien contre Compresso, mais sa façon de faire m'énerve. Et je ne suis pas obligée d'être avec les personnes qui sont autour de moi et qui veulent être avec, soyez avec. Mais moi, je ne peux pas être obligée d'accepter l'inacceptable parce que je veux faire plaisir. Je ne fais plaisir à personne sur la toile. Puisqu'elle est de l'Allemagne, je dis bien à l'époque, est-ce qu'elle n'a pas lavé Flo ici? Est-ce que ça a empêché qu'aujourd'hui, elle soit avec Flo? Alors pourquoi aujourd'hui on doit se lever juste parce que elle a insulté? Tu vas te lever, tu vas venir régler tes comptes avec elle, montrant ses images intimes et après pour dire que je lui donne des conseils. Non ma chérie, garde tes conseils. Elle n'en a pas besoin. Tu aurais dû réfléchir avant. Tu aurais dû réfléchir avant. Quand on se lève, on dit je suis mère, je suis la maman de beaucoup d'enfants. Je gère les enfants dans le monde entier.
Ça veut dire que je suis une mère qui est capable d'accepter l'inacceptable. Jacques, on va te taper, tu t'assois, on te tape, tu t'assois, tu te lèves. Oui, ma chérie. Tu n'es pas vrai. Pas tout. Même par amour, je ne peux pas tout accepter. Parce que mon cerveau me permet de réfléchir et d'analyser des choses. À quel moment vous vous remettez en question? Est-ce qu'il vous arrive de dormir et de vous dire que, waouh, est-ce que j'aurais dû faire ça? Est-ce que je n'aurais pas dû faire autrement? Mais je ne pense pas. Hein? Honnêtement, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que l'esprit du mal a pris le dessus, au fait. Donc, nous sommes dans une sphère, nous sommes dans quelque chose où il y a l'esprit dominant qui est là. Et vous voulez convaincre des gens d'accepter ça. Vous voulez convaincre des gens d'accepter ça. Je ne suis pas une suiveuse. Peut-être parfois des gens ne me comprennent pas quand je dis mes choses. Ou peut-être je suis mal comprise parfois. Mais sachez que je ne suis pas une suiveuse. Toute chose que je fais, toute action que je pose, je réfléchis avant de faire. Si et seulement si on pouvait refaire l'éducation des gens. Si et seulement si on pouvait refaire l'éducation des gens. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qu'il faut revoir. Mais malheureusement, c'est lancé. C'est lancé. Le couple Messa Asiaya. En tirer des leçons. La prochaine fois, pas Messa, quand tu vas voir quelqu'un sur la toile, prends le temps d'observer la personne. Regarde le comportement de la personne avant de chercher, avant de valoriser. Oh oui. Prends la peine d'étudier la personne. Moi, je pense que tout le monde sort de partout, vient parler aux gens sur Meta. Parce que c'est ce qui a été fait depuis la nuit des temps. Le respect, ayez ce qu'on appelle un minimum de respect. Si tu n'as pas peur de te mettre devant tes followers pour répondre comme ça à ce papa-là, ça veut dire que et on ne peut plus rien faire. C'est gâté. On ne peut plus rien faire. Rien faire. L'ingratitude. C'est l'ingratitude qui vous anime l'esprit. Moi, quand j'ai mangé un franc de quelqu'un, même si c'était en passant, pour que je me mette à répondre à cette personne, un genre, je réfléchis beaucoup. Je réfléchis. Mais à plus forte raison, les gens, quelqu'un qui m'a ouvert sa porte. Juste, il faut utiliser sa tête. Utilisez vos cerveaux. Même si on dit qu'on est sur Facebook. Même si on parle que c'est le game, même si on dit quoi, quand même, il y a des limites à ne pas franchir. Et je pense que parfois vous allez tellement loin dans la. C'est-à-dire que vous allez tellement loin. Mais après, vous venez dire que ouais, hein, les photos que quelqu'un aime même à mis, quelqu'un aime même à envoyer, quelqu'un aime même. Que ça veut dire quoi? Même si quelqu'un poste ma nudité sur Facebook, je dis ça.
Parce qu'on sait que vous faites des basses, c'est-à-dire que vous payez même des gens pour faire du mal. Et si un jour, pas méga, je cherche la personne, je bolle à la personne, avec les mains, un jour là, je vais dormir en gata. Je dis ça, et ça ne chauffe pas. Caricaturez-moi, je m'en fous. Et que si un jour, je vois un truc de ma femme, je dis que moi, ah, mof, nous sommes dans Paris, hein. Je vais déménager, je vais voyager. J'ai l'impression que les gens parlent beaucoup sur Facebook. Vous parlez trop, je vais, vous ne faites pas. Moi, je ne parle pas, mais j'agis. C'est pour ça que je n'aime pas trop parler. J'ai du mal à trop parler. Je suis le genre de personne que... Je ne sais pas pourquoi, ma mère. Je suis le genre de personne que, quand ça ne va pas, je ne parle plus. On se gâte tout de suite. Oui. Ne me voyez pas comme ça. Les gens calmes là, ils ont souvent quelque chose. Ce n'est pas que, non. Moi, je prends avec la main. On finit avec. Sachez à qui vous faites ça. Sachez à qui vous faites ça. Sachez que de la manière, quand vous vous levez, vous faites le pire aux gens, vous faites le sale, comme vous dites ça. Et j'ai l'impression que c'est un peu comme si c'est un passage obligatoire pour être star reconnu sur Facebook. Non, non. Calmez vos ardeurs. Regardez les gens. Même garçon, c'est pas facile qu'un homme me mette par terre. Rassurez-vous, hein, je vous dis la vérité. Par respect, je peux faire genre. Mais s'il faut aller là, en vrai, on va se faire ça. Vous êtes cruelles. Vous êtes des femmes cruelles. Que ce soit les followers qui adhèrent à ce que vous faites, vous êtes cruelles. Je dis ça, ça ne chauffe pas. Vous avez le mauvais front. Vous avez en vous le désir, l'esprit du mal. Vous l'incarnez. Vous portez ça en vous. Et il faut qu'on vous le dise. Arrêtez votre manière d'agir. Arrêtez votre façon de faire des choses. Parce que vous brisez des gens, vous brisez des familles, vous ne vous rendez même pas compte. Vous allez dire que parce que la personne est venue sur la table chercher la Starmania. Quand on parle de Starmania, vous allez parler, c'est quel type de Starmania en fait? Quand vous parlez de la Starmania, c'est quoi pour vous la Starmania? Nous sommes tous les stars sont assis sur les Champs-Élysées en train de manger dans des grands palaces. Arrêtez de nous fatiguer avec ça. Je ne suis pas ici pour dire que je suis ici pour dénoncer. Ma très chère sœur, compresseur, souviens-toi d'hier. Souviens-toi des personnes qui t'ont tendu la main hier. Tu vas me dire que toi aussi tu as tendu la main aux autres. Mais ce qui me dépasse, c'est qu'on ne peut pas avoir une personne sur la terre que tout le monde ne dit pas, on ne dit pas des... C'est toujours, il y a toujours quelque chose de négatif. Ça veut dire qu'il y a un problème, il faut se revoir. Et tant bien même qu'on essaye d'arranger, qu'on essaye de dire que non, on laisse les problèmes, on fait la paix. Non, il faut encore que les choses sortent. Ma très chère sœur, revoyez-vous. Si vous avez décidé de changer, changez vraiment. Si vous avez dit que, moi, là, je vais te vous voyez. Si vous avez dit que je suis devenue une autre personne, devenez cette personne. Si vous dites être la maman des orphelins, restez à votre place de maman et protégez vos enfants. Parce qu'une mère, c'est celle-là qui couvre. Une mère, c'est celle-là qui protège. Une mère, c'est celle-là qui valorise. Une mère, c'est de faire le choix de la grandeur. Il est important pour vous de développer votre sens du discernement. Il est important pour vous de regarder en arrière et de jeter ce qui est derrière vous pour mieux avancer. Il est important pour vous
de ne plus encourager l'enfant de quelqu'un d'autre à faire du mal. Elles sont pareilles. Je parle de ce que je vois pour l'instant. Si à ce jour, si Flore aurait été en train de faire ce que Composto est en train de faire, j'aurais dit à Flore que Flore, s'il te plaît, arrête. Est-ce que tu comprends, Hortense? Vous pensez que vous avez trop la manie de venir à écrire certaines choses sur les pages des gens. Je ne suis pas bête. J'analyse une situation qui est actuelle. Je ne parle pas du passé. Je parle de la situation actuelle parce que c'est ce qu'elle est en train de faire avec son frère. Et c'est ce qu'elle a fait à Priscaline. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'elle ne parle pas du futur? Le jour où Flore de Lille, ou Tata Lolo, ou Lolo, ou Compris, ou tous, ou Warriors, je vais m'asseoir, je vais leur dire que ça ne se fait pas. J'ai posé la question ici à savoir si Tatana a déjà montré la nudité de Oshiga. A déjà montré sa nudité comme Compressor a fait avec, la vie, avec les photos de Priscaline. J'ai posé la question ici. Parce qu'on m'a dit que Tatana aussi avait montré la vidéo de Oshiga. J'ai demandé, est-ce que ça a été fait? Si ça a été fait, c'est qu'elle n'avait pas le droit de le faire. En tant que membre de la team de la vérité, je ne vais pas tourner pour dire ce que je pense. Ce que je n'aimerais pas qu'on puisse me faire, je n'accepterai pas qu'on le fasse à quelqu'un d'autre. Peu importe mes convictions, peu importe ma personne, je reste une femme. Je me protège. Alors je dois protéger ma sœur. Je dois protéger même mon ennemi. Dans ce sens. J'ai posé cette question ici à savoir. Donc, si je m'adresse à Compressor, je ne vais pas être capable d'agir dans le sens de faire du mal, d'humilier, de salir. Les femmes, la toile camerounaise, n'a-t-elle pas assez souffert? Les blogueurs camerounais n'ont pas, on n'a pas assez souffert? L'image des femmes camerounaises sur la toile n'ont pas été assez sales? Alors pourquoi aujourd'hui? Pourquoi? À partir du moment où on essaye de laver nos images, où on essaye de laver le bloc camerounais, on doit encore assister à ça. Je dis non. Je pense que maintenant, vous comprenez pourquoi je m'adressais à Compressor. Je ne suis pas une personne qui vit dans le passé. Je dénonce le présent. Si jamais, je dis bien ma Flore de Lille, elle pose un acte qui ne va pas avec mes valeurs. J'ai appris à connaître cette dame que je ne connaissais pas. Je l'ai observée. Si demain, Tata Lolo pose, fait quelque chose qui ne va pas, j'allume ma caméra, je leur dis que ce que vous avez fait là, ce n'est pas bien. Mais je m'adresse aujourd'hui à Compressor et à Nicole. Parce que nous sommes depuis quelques mois maintenant, en train de vivre, les personnes qu'on embrasse ne sont pas forcément des personnes qu'on aime. Même dans nos familles, il y a des gens qui sont cruels envers nous. Je dis parfois même ton parent qui t'a mis au monde te traite comme si tu étais de la merde. Toi-même, tu es surpris. Tu te demandes, mais est-ce que c'est ma mère, est-ce que c'est mon père? Tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce mépris, pour mériter ça? Oui, je ne prends pas la défense du couple méchant ici. Parce que si je prenais la défense du couple Messan, j'allais dire que papa Messan a raison. De tout ce qu'il t'a dit hier ou avant-hier dans son direct, il a raison. Non, mais je dénonce un fait. Non, à un moment donné, on se doit de grandir. On me dira que le mal est fait. Non. Tout est possible à celui qui croit. Compressor,
Tu as décidé d'aspirer à des grandes choses dans ta vie. Change. Change. Je ne suis peut-être rien. Parce que vous avez toujours pour habitude de dire les nyama nyama, les nouvelles là, wow, machin. Mais il faut changer. Revois-toi. À un certain âge. À un âge, va féliciter contre ça. Je viendrai te féliciter. Mais jusqu'à présent là, ce que je vois une dame. Tu sais, il y a des choses qu'on fait dans la vie, même si parfois on a raison, on finit par avoir tort. Ce n'est pas à tout bout de champ qu'on sort, qu'on dit. Donc, de grâce, les personnes qui pensent que moi, la blabutie, quand je fais mon poste, je dis que compresseur, tu n'as pas raison. Tu ne devrais pas. Priscaline t'a insulté, il fallait insulter Priscaline, tu t'arrêtes là. Elle n'a pas mis sa photo. Elle n'a pas montré ta photo. Pourquoi tu le fais? L'exemple que tu veux montrer aux enfants, à tes enfants, les orphelins, c'est quoi? C'est quoi? Non. Je ne peux pas cautionner, je ne peux pas adhérer. L'injustice. Monica Diaz, parce que des gens me le disent en commentaire, mais est-ce que tata n'a un jour montré la vidéo de Oshiga en live? Moi, je pense que non. Parce que je me souviens qu'un jour, j'ai fait une fois. Donc, c'est au juste, tu sais. Quand j'avais fait la sortie par rapport à Papa Fodia Isanga, elle m'avait répondu, non? Elle cherchait ma vidéo sur YouTube. Tu crois que je cherche quoi derrière elle? Je ne cours pas dans la vie. Hein. Je suis extrêmement patiente. Mamie Dorfao, c'est comment? Comment vas-tu? Non, je ne décrypte pas. Je fais l'émission. Donc, je suis en train de te dire, ma soeur, change. Et quant à toi, Nicole, tu peux tout faire sans me manquer de respect sur ma page. Donc, je t'aime, je te bannis parce que tu ne sais rien. Voilà. Ça va, ça va. Donc, j'étais en train de dire que une personne qui a mangé avec son frère, sa belle-sœur, la famille, il y a des choses qu'on ne fait pas. Oui, tu m'as dit ça la dernière fois. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Ayez des limites. Ça va trop loin. Ayez des limites. OK? Je ne peux pas adhérer. Je ne peux pas. Ça ne peut pas être un exemple. Quand on s'assoit, on dit aux gens, ayez ce que vous appelez la parole. Quand on se mêle, on dit que moi, je ne fais plus, ça ne fait pas. Moi, je ne suis pas en train de clasher. Je suis en train de donner mon ressenti. Je dénonce un fait. Mais quand vous dites qu'on ne clash plus, vous revenez encore vous asseoir, vous clashez. Finalement, ça veut dire quoi? Donc, une chose est son contraire. S'il y a quelqu'un qui veut intervenir, vous montez dans le direct, vous dites quelques mots, bien sûr, dans le respect. Il n'y a pas de souci. À quel moment on peut se lever? On insulte un père, qu'on dit que mon père. C'est comme aujourd'hui, Monica Dia se lève, elle se met insultée par mes sangs, mais je vais tomber des nues. Pourtant, au départ, Monica Dia dit que non, je suis saine, je ne veux pas, je n'entre pas dans cette affaire. Mais moi, je vais tomber des nues. Je dis, mais il y a un problème. Bonsoir, Owen. Comment vas-tu, ma grande? Ça va bien, ma fille. Ça va. Tu m'entends? Mm-hmm. Okay. Très beau direct, vraiment. Merci. Chapeau. Merci. Bravo pour la dénonciation. Merci. Tu as été bien. Ce que notre soeur compresseur a fait, c'est détruire, c'est
vouloir décrire la vie de cette petite jeune fille. Peut-être que cette fille n'a même pas 30 ans. Là, peut-être de 20 ans, 18 à 20 ans. Il y a des choses que tu peux dire à un enfant. Elle pouvait le dire comme vous l'avez dit, sans publier sa photo, sans montrer la photo. Ça, c'était aller à l'extrême. Ça montrait qu'elle était choquée, peut-être parce que la petite l'a insultée. Comme vous avez dit, on vous insulte, insultez parce que vous dites que c'est le game, mais le game a des limites. Bien sûr. Le game a des limites. Il ne faut pas être la mère des orphelins, la mère des enfants, et vous essayez de détruire un enfant. Ouais. Vraiment, compressant, beaucoup de gens parlent, rentre dans tes, couche-toi dans ton lit, mets tes genoux à terre et demande pardon pour ce que vous avez fait à Dieu. Qu'il vous pardonne et que vous changez. Le pardon, c'est seulement lorsque quelqu'un change. Si vous demandez pardon et vous ne pouvez pas changer, c'est que le pardon, ça ne sert à rien. Ça ne servira à rien. Un jour encore, Monica. Nico, je ne veux pas être longue avec toi. J'entrais dans tes directs, je te voyais. J'ai m'envoyé l'argent à ta maman, Nicole. Je ne vous connais pas, ni d'Adam, ni d'Ève. Nicole, quand vous regardez M. Messa, parce qu'il a voulu vous soutenir, Nicole Ketia, il faut changer. Quand tu vois le monsieur, là, le gigantesque monsieur là, que tu prends ta caméra, tu lui donnes les avertissements, les vecteurs, les vecteurs. Ce monsieur là se tient devant toi, il prend son billet d'avion, il arrive en Italie, il te cherche. Face à face, il ne va même pas te taper. Il te regarde. Toi, tu que tu peux te regarder droit dans les yeux, ma fille. Juste là, tu dis que tu dénonces la manipulation. Tu racontes quoi? Tu racontes quoi? Il y a des gens même qu'il faut avoir peur. Il y a même des gens qu'il faut esquiver. C'est pas parce que Facebook vous a mélangé. Je dis, si ce monsieur-là prend son billet d'avion, parce que si c'est moi, c'est ce que je vais faire. La blague, vous avez dit quelque chose, qu'il y a des choses que tu règles, tu vas en prison, vous vous justifiez. Ben oui. Vous comprenez? Oui. Si c'est moi, ce monsieur, je dépose mon arrogance, je dépose ma grandeur, je prends mon billet d'avion, je te cherche où tu te trouves. Monica, envoie la demande de l'homme. Si toi, Nicolas, tu peux me supporter, tu peux le supporter. Parce que vous restez derrière les caméras, après vous entrez, après vous dites que excusez-moi, j'avais fait que. Et les limites. D'ailleurs, si tu ne respectes pas ta mère, tu ne vas pas respecter ce monsieur. Parce qu'on te voit franchement, monsieur là, tu peux le supporter, Nicole. Laissons que tu vas fausser une femme. Parce que tu vas t'asseoir qu'une femme qui pisse comme toi. Mettons ça du côté que tu as dit grande soeur. Quand tu regardes le monsieur là, tu regardes l'âge du monsieur là. Tu peux, Nicole. Tu t'accroches sur des branches d'arbres. Que compression, c'est qui? Parce que tu la soutiens. Tu avais dit au départ que tu ne parlais pas sur ça. Qu'est-ce qui t'a motivé? Qui t'a trompé, Nicole? Calme-toi. Nicole, calme-toi. Reviens sur terre. Pense à ta vie, à ta fille. On dit souvent que fais attention quand on accouche, quand on a les enfants. Pense à ta fille, Nicole. Tu es sortie pour ta grand-mère, tu es sortie et aujourd'hui tu as une fille, tu as un enfant. Alors pense à celle-là. Avant de mettre ta caméra, insulte un papa. Franchement. Allez, bonsoir. C'est pas du tout qu'on parle. On parle pas du tout. On dit pas du tout. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Jade. Bonsoir. Ton profil a dit, je sais pas qu'elle voit ça. Vous savez à qui fait ça? C'est Jade. Ouais. Jade est partie. Non, Jade est là. La team de vérité, une place. C'est ça. Parce que tu n'avais personne. Mais... Bourri pour se permet, elle fait un direct, carrément, elle se prend au sérieux. Carrément. Elle dit à cette fille que peut-être elle limite les autres, mais tu sais que quand quelqu'un vient, la personne vient t'insulter, la personne pense que tu ne peux rien faire. Et une autre personne qui l'accompagne, elle vient, elle veut aussi venir t'insulter. Exactement. Oui.
Parce qu'elle croit que comme celle-là est venue premièrement, tu n'as rien fait. Elle aussi, tu ne vas rien faire. Et moi, j'ai dit en bruit pour que les 10 doigts se dépassent. Comme on dit souvent. Elle va chercher à s'asseoir comme ça, là, ça va la dépasser. Je te jure, Black. Nice. Parce qu'elle connaît là où elle habite. Même si c'est demain que mon papou me dit que allons, je vais l'amener comme ça là, jusqu'à la maison, jusqu'à là où Mburipu habite. Mmh. Qu'elle essaye son mamie Pima là, elle va confirmer. Qu'elle essaye seulement son mamie Pima. C'est elle qui viendra dire aux gens qui a mis l'eau dans la noix de coco. Donc, Mburipu, essaye pour déposer tes valises. Tu as commencé à insulter tout le monde, tu as rasé tout le monde. Ce couple-là n'était même pas au courant que tu les as insultés. Mais aujourd'hui-là, essaye encore pour une deuxième fois. On ne va pas te dire. Mburipu, quand vous venez trouver les problèmes des gens, vous venez porter parce que quoi? Vous supportez X ou Y. Sors, c'est moi Monica qui parle, sors, tu fais du sale sur ce couple-là, tu vas pleurer, dis que tu vas pleurer, même sécher tes larmes, ça va te dépasser. Même sécher tes larmes, ça va te dépasser. Quand vous voulez le sale sur Facebook, et il n'y aura personne pour te supporter, ceux que tu supportes là, ils auront seulement leur téléphone pour dire que Yako, Yako. Mais ce qui va t'arriver, toi-même, tu vas rester comme ça, là, dire que yes, j'étais partie sur Facebook. J'ai trouvé quelque chose sur Facebook. Essaye ton mari. Je le dirai, s'il vous plaît, mettez les cœurs et abonnez-vous massivement à ma page. N'oubliez pas. Essaye ton mami Pima. Tu verras. Là, tu as fait un beau direct. Merci, ma grande. Merci. Moi, j'étais là, j'étais en train d'écouter. Merci. Tu as fait un trait. Pili pili dans la tête. Elle a un problème de compréhension. Tu verras demain comment elle va aller s'asseoir pour t'insulter. Pourtant, ce que tu as dit est vrai. Tu trouves un problème. Tu supportes ta patronne. D'être le début. Pourquoi tu n'as pas conseillé toi-même ta patronne de laisser? Pourquoi tu n'es pas venu poser ta caméra, dire à ta patronne que tu es en train d'exagérer? Tu provoques le monsieur là, le monsieur ne te répond pas. Laisse aussi. Maintenant, c'est quand ils viennent répondre que toi, tu sors ta large bouche pleine, qui pèse même 10 tonnes. Hein? Tu sors ta large bouche pour venir donner les vectos à un monsieur que tu as appelé papa. Quand tu partais là-bas supplier, hey, Papou. Aujourd'hui, il n'est plus ton papou. Aujourd'hui, il s'appelle mes sœurs. Papou. Oh mon papou. Elle est comme ça, la Black. Elle est comme ça. Elle est jalouse parce que je suis avec ce couple. Mais le problème, elle et moi, la différence entre elle et moi, c'est que elle est la fille de Facebook. Moi, je ne suis pas la fille de Facebook. Oui. Tu vas jalouser quoi dans ça? Toi et moi, c'est la même chose. Hein? Mburipu. Toi et moi, c'est... Hey. Mburipu, qu'est-ce qui te prend? Tu fumes l'air. Jusqu'à elle vient parler aux madame et sang. Si tu pries vraiment ton Dieu. Léandrine est mieux que son mari. Imbécile. Ton soula, le père de ton enfant qui est soula, il rôde dans tous les bars, il dort dans tous les bars, on le chasse dans tous les bars. Regarde pas l'émission, c'est l'émission, hein. J'ai à démarrer. Toi. Le père de son enfant qui est un soula. Ouais, c'est l'émission. Tout nasso, c'est un soula, ma. Un soula. Ma maman, que le papou, hein, jusqu'à elle vient dire que je le renie.
Il était d'abord ton père pour le renier. Soigne. Tu n'as pas ton père qui t'a accouché, imbécile. Pardon. Ouais, Monica, tu vas nous finir. Ne garde pas, c'est l'émission. C'est pas ok. C'est l'émission, ya. Yeah. Et sors-moi d'abord, pardon. Ouais, je te finir ton émission. Quand tu commences comme ça, c'est le démarrage en côte. Laisse. Je sors, blague. Après seulement. Ok, bisous, chérie, bisous. Merci, bisous. Quand tu commences, ouais, non, Monica, c'est un cas, vous ne connaissez pas. Ah non. Ah. Les gens sont prêts à détruire même les personnes qui, d'antan, étaient là pour eux. Non, Monica, pardon, toi. Aujourd'hui, il faut que l'image de la toile change. Les personnes sont blessées, les gens ont mal, les gens ont des choses dans le cœur, mais parfois ils ont du mal à les exprimer. On ne dit pas que certaines personnes sont des saints, mais la manière d'agir n'est pas bonne. La manière de régler les choses, ce n'est pas la bonne manière. Et c'est ce que moi je dénonce. Je ne suis pas contre les insultes, parce que de toutes les façons, la toile, c'est que tu m'insultes, je t'insulte. Donc pour moi, c'est légitime les insultes, je n'ai pas de problème avec ça, c'est le blog. Le blog est comme ça. On a compris que c'est comme ça. Faites des petites caricatures. Ça fait partie du blog. Maintenant, maman Léo, justement, parce qu'il n'y a pas une éducation de base, c'est vrai. Maintenant, être cruel à blesser des familles derrière, à blesser beaucoup de personnes, à faire du mal à un niveau où on ne réalise pas combien l'être peut souffrir, ce qui peut passer dans la tête de quelqu'un. Vous ne pouvez pas savoir qu'il y a certains agissements qui peuvent pousser quelqu'un au suicide. Oui. Ça ne veut pas pourtant dire qu'on ne peut pas demain se tromper ou s'égarer, non. Mais, parfois, il faut se remettre en question. Et je vous invite à vous remettre en question. Remettez-vous en question. Beaucoup me diront que quand mon femme, on dirait me couche, je dors. C'est vrai. Mais je suis sûre aussi que vous faites beaucoup de cauchemars dans la nuit. Ce que vous ne dites pas. Je suis sûre que vous faites beaucoup de cauchemars dans la nuit. Ce que vous ne dites pas. Ma brigade encore. Merci. Non, blague. Je ne viens pas. Le tout, c'est je viens en paix. Je ne viens pas. Paix. On t'écoute, non. Je viens en paix. Bon, je vais te dire que Black, t'en fais ceci là. Tu sais que la bonne éducation commence d'abord par le haut et maintenant, pour dire que ça commence d'abord par les grands frères et les grandes sœurs. Et maintenant, ceux qui viennent après suivent. Yes. Tu comprends? Non? Prenons l'exemple comme Teto. Prenons l'exemple de Teto. Teto qui n'a jamais rien fait de bon dans les réseaux sociaux. Regarde ton émission aussi que tu fais chaque temps. Il n'a jamais partagé. Tu veux soulever la tête comme ça que Dieu veut t'élever. Il te tire en bas. Il t'attache avec la corde pour te tirer en bas. Pour que tu sois toujours au même niveau. Sur Facebook, les gens n'aiment pas l'élévation des autres. Et pourquoi? Donc, ça va changer quoi au destin de l'autre? C'est le mauvais cœur. C'est le mauvais cœur. Les Camerounais qui est comme ça, parce qu'ailleurs, c'est pas pareil. Oui! Surtout les Camerounais. Oui. Les gens n'aiment pas l'élévation des autres. Toi qui es là depuis, une qui vient d'arriver, quand tu vois que, oh, elle veut soulever la tête. Elle veut être mieux que moi. La jalousie commence. Les insultes commencent. Et tout, ça va aller de partout. Ils vont te tirer en bas comme ça, là. Je dis que celui-là ne va jamais poster quelque chose qui te soutient. Que tu fais du... Merci, mon ami. Comme ton émission, là. Il ne va jamais poster un de ces jours. Jamais, Black. Jamais. Mais sur les histoires des sangs calissons, tu vas voir sa grosse tête comme les papins de vin. Non, j'ai dit que non, je ne peux pas. Eh, vraiment. Non, j'ai dit que non, tu ne peux pas y faire. Comme ils viennent
frère-là mettre sa tête dans les, dans les histoires de Zout. Le Zout a fait ceci, le Zout a fait ceci. Que j'ai élevé tel. C'est vrai, il aurait pu nous élever puisque sa page est très visitée. Ouais. Il aurait pu vraiment nous aider. C'est pas faux. Zazie Chou, c'est vrai, non? Mais c'est vrai. Depuis 14 ans que ce monsieur est dans les réseaux sociaux, j'ai dit que comme tu es en train de prospérer, s'il voit que tu prospères, il va prendre, te caricaturer, prendre ta photo, poster sur son mur pour qu'on te lave, pour te tirer plus bas. Il ne faut pas que tu sois mieux que lui, ou bien mieux que ce que lui, il supporte. Tu comprends? Oui, c'est le rôle de ce monsieur dans les réseaux sociaux. Le diable en personne. Il vient là, il fait le moumou. Mais la sorcellerie qu'il y a dans son cœur, ça dépasse ce que vous voyez sur sa tête là. Donc, dans Facebook, pour que Facebook, pour que la paix ou bien les gens prospèrent dans Facebook, ça va prendre du temps. Ah, beaucoup, beaucoup. Énormément, ouais. Ça va prendre. Bah, après, chacun fait son bout de chemin, hein, tout doucement, hein, tu sais. Hein. Ça va prendre. Moi, il ne faut pas être pressé, au fait. Pour moi, je dis que. Tambouripou vient dire que le bloc camerounais va changer, le beau camerounais. Tout le monde veut le changement. Nous, on va se soutenir entre nous, le reste, c'est. Voilà, moi, je ne me coupe pas, hein, tu sais. C'est ta page, c'est ma page. Ma page, c'est ta page. On va prospérer. Nous allons prospérer. Ce n'est plus comme le genre à l'époque. Oh, nous ne sommes pas des ennemis. On peut se titiller, mais demain, tu me verras chez toi. Après demain, c'est le lait. Et moi. Oui, 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 oui. C'est de ça qu'il s'agit. Le vieux père de Tétola qui ne veut pas prospérer. Depuis qu'il pleure la nièce d'une femme, des années, maman, d'une femme t'a lâché. Tu pleures la nièce. Jusqu'à il pleure les bottes. Tomato, maman, tata n'a soufflé avec le gars, le monsieur là. Ta tête va encore grossir ou tu ne manges bien. Hein? Pourquoi tu es comme ça? Oh non, toi! Non, je n'insulte pas. Merci Zazie, joue pour les étoiles. Merci beaucoup du soutien. Merci. Sa tête va grossir où? Tatana faisait tout jusqu'à raser, teinter les cheveux, faire tout. Ta tête va encore grossir où? Te voilà qu'elle est devenue. Merci, ma chérie. Jusqu'à il dit que la. Où est ta famille? Ouais, Monica Jazz. Tu n'as pas dit que. Oui, car arrête. Toi, c'est que non, toi non. Heureusement que l'essentiel a été dit bien avant. Voilà. Non, Tatana a fait le boulot. Tatana, tu as bien fait de larguer ce monsieur qui ne sert à rien dans la société camerounaise. Dans le blog camerounais, il ne sert à rien. Dans le blog camerounais, il ne sert à rien. Tes paroles, hein, Monica. Je ne suis pas responsable de ce qu'elle dit. Je suis responsable de ce que je dis à tête aux hommes. Gros tête, Tatana ne te fait plus les bols, ta tête a diminué. Monica, yeah, laisse comme ça. Laisse comme ça. Bon, je passe, ma soeur, je ne viens plus, je m'en vais. Voilà, va partager le direct. Laisse comme ça. Pas d'autre compte partager, bisous. Hey, bisous, ma grande. Ça a été mon père. Bon, mes beauty de valeur, je pense qu'on a passé, l'émission a été bien. J'espère que le message est passé et que les gens vont se remettre en question. S'ils ne se remettent pas en question, tant pis. Au moins, j'aurais dit ce que je pense. Donc, aujourd'hui, tout a été dit, tout a été clair. Appelle-moi quand tu finis. D'accord, ma grande soeur d'amour. Tout a été dit, tout a été clair. Je ne peux pas suivre des personnes qui ne m'inspirent pas des étoiles. Merci. Donc, c'était notre émission Paroles Anonymes. Continuez à vous abonner massivement sur ma page. Invitez vos amis, vos cousins, vos sœurs, vos frères à s'abonner, les oncles, les collègues de travail. Invitez-les à s'abonner sur ma page. Comme ça, on aura aussi
on aura aussi nos 10 000 abonnés et voilà, on pourra être plus à... Comment est-ce que je vais dire ça? I mean, things was going so fast, you know? Donc, merci encore. Merci pour votre soutien. Merci à tous ceux qui croient en moi. Merci à tous ceux-là qui m'encouragent. Aziz, je te dis énormément merci parce que vraiment, maman Léo aussi, et aussi Elsa, qui n'est pas là. Mon Olivier Tété d'amour, l'homme de ma vie qui m'assume partout devant 10 milliards de personnes, si je ne pas, c'est ça qui est ça. Et je t'aime et je vous aime encore plus. Merci à toi, Monica Diaz. Merci, Tatana. Merci à tous. Zazie, je ne sais même pas comment je peux te dire merci parce que vraiment. Et j'avais une dernière chose aussi. Je voulais dire hier dans avec le live de Madoka. Sachez que moi, je suis quelqu'un, j'ai un peu trop d'humour. Parfois, je peux rigoler des choses en parlant, mais il ne faut pas prendre des choses au premier degré. Ça ne sert à rien. Donc, voilà. Comme on a dit, je suis procureur pour réclamer l'argent. Donc, Tata Lola, envoie-nous l'argent, s'il te plaît. L'autre salaire. Le salaire de Madokas. Ah ouais, le salaire de Madokas. Ah là là. Bon, je vous aime. Mes beauty de valeur, merci pour tout. Plein, plein, plein de bisous. Plein, plein, plein de bisous. Que Madokas sache qu'on l'a frappé au ras. La toile dit que Madoka sache qu'on l'a frappé au ras, on ne paye rien. Non, les lolomaniacs, vous pouvez faire ça à Madoka. Madoka a dit que je réclame son argent, je suis procureur, étant en France. Donc, il faut que je réclame son... Non, il faut qu'on relance l'émission, là, il faut qu'on fasse ça, on remet ça sur le tapis, même demain, pourquoi pas. Demain en journée, un peu plus tôt, même avec 18h. La toile dit que quoi? Mais c'était trop bien. Vous vous rappelez, Zazie, je te souviens la première fois que j'ai lancé ça. On a rigolé jusqu'à... C'était trop beau. Allez, si je reste ici, je ne vais pas couper le direct. Prenez soin de vous. Demain, je travaille, m'avais dormi. Que le Seigneur fasse grâce et qu'il continue à vous bénir abondamment, abondamment, encore et encore. Voilà. Ne manquez de rien. Ne manquez de rien, la paix et rien que la paix. Ah, Nia, on a fini. C'est quand on termine le direct, c'est là où tu viens, tu étais où? Tu te pavanes partout. C'est maintenant que tu viens dire que nous sommes au rendez-vous. Laisse ça. Le rendez-vous est fini. Tu es en retard au rendez-vous. Nous, on va dormir. Demain, on va travailler. Ensemble, on va parler de votre histoire. On a des chroniqueuses hein, qui pourront vous donner des conseils et même, vous voyez, des blogueurs, des blogueuses comme Monica Diaz qui pourra monter, vous apporter son conseil. Et on pourra aussi convier le couple parmesan, on peut convier Nancy. Donc, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi pour un témoignage. C'est très important. Je vous aime et merci pour votre soutien, pour votre amour. Ma grande sœur déesse, la déesse, je t'aime, tu le sais. Voilà. Bisous là-bas. Ciao.